Oh pardon, j'ai chopé le jaune, je suis désolée. Alors j'ai mis Lucas évidemment. La meilleure. Oh là là, il y en a trop. J'ai adoré le moment où la réalisatrice m'a dit ce serait trop bien que tu plonges dans le canal Saint-Martin. Donc c'était en plein après-midi, mais il faisait super froid, ça devait être en mois de mars. Et j'étais avec mon manteau blanc là, que j'ai pendant tout le film. Alors, j'ai plongé, j'ai essayé de me raccrocher, j'ai essayé de comprendre comment faire pour sortir du truc. En fait, quand tu t'en dis dans le canal Saint-Martin, tu glisses sur des petits coquillages qui sont collés contre la paroi du canal. Des espèces d'escargots, des limaces, des vers, plein de trucs. Et j'ai bu la tasse au moins 1000 fois parce que l'équipe du film, on avait envie de raconter une scène où je me noie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un micro étanche et qu'on n'avait pas pu prendre le son. Du coup, on a dû le refaire 2 semaines plus tard. Mais c'est ça aussi ce film, quoi. C'est se planter, recommencer, se donner le temps de le faire, se donner le temps d'expérimenter. En fait. Et je ne suis pas tombée malade. On est tous addicts à quelque chose. J'ai pas un gros problème avec l'addiction, mais j'ai plusieurs addictions émotionnelles, de manie, petite manie, et bien sûr des addictions humaines. Quoi. Bah, sur Paris et nous, on a eu masse de fou rire, c'est clair, parce que comme on tournait dans la ville et dans le milieu des gens, et que souvent c'était dans des fêtes, on avait souvent picolé, et les gens autour de nous avaient beaucoup picolé, beaucoup plus que nous. Et donc on s'est retrouvés à faire des super discussions avec des gens, ou à essayer de les écarter du plan. C'est sûr qu'on a eu plein de trucs comme ça. Bah, en fait, j'adore les répliques. Tu sais que bah, mes copains, ils adorent citer les films de Audiard et tout ça. Mais en les voyant, je les trouve tellement sexistes que j'ai du mal à les valoriser. J'adore les insectes, j'adore les araignées, les escargots, les limaces, en fait tous les animaux, tout ce qui est vivant. Mon plaisir coupable, ouais. La raclette. Ça fait coupable, tout le monde aime la raclette. Ouais, mais c'est gras. Hair, de Mila Sormi. Le film sort le 22 février, ça c'est une grosse exclusivité parce que ça fait 5 ans qu'on attend ça et c'est un peu ce qu'il y a dans ma tête en ce moment tout le temps et c'est pour ça que je suis là pour souhaiter aux gens que le film vous parle et que j'espère que va faire écho à cette envie de liberté qui est la nôtre, cette envie de tout péter aussi dans ce monde, dans ce système qui nous étouffe. Ce film, pour nous, ça représente ça. Et donc, on a envie de le partager avec les gens, avec le maximum de gens possible, et on espère que ce sera le cas. Vendredi prochain, c'est les Césars. Mais si vous avez pas envie de regarder les Césars, vous pouvez regarder Paris et Thème. Parce que c'est un film anti-César, en fait. Merci à vous.